Le Moine de Matthew G. Lewis. Traduction de Léon de Vailly. Ambrosio, Daniel Mesguich. Mathilde, Sylvie Ferraud. Agnès, Corinne Juresco. Antonia, Valérie Alain. Lucifer, Christophe Olreit. Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne. Chapitre 1. Madrid, à la fin du XVIIe siècle, à l'intérieur de l'église des Capucins. Je vous assure, Señora, qu'il n'y a plus une place ici. Sainte Vierge, quelle chaleur! Je vous prie, Señora, de ne pas bouger si rudement, mon Dieu! Comment peut-on être aussi sans gêne? Je crois, Antonia, qu'il nous faudra nous en retourner. Il n'y a pas l'ombre d'un siège vacant, et je ne vois personne d'assez obligeant pour nous offrir le sien. Oh oui, de grâce, Leonella. Retournons tout de suite chez nous. La chaleur est excessive et je meurs de peur au milieu de cette foule. Vois-tu ce que je vois? Quelle grâce, quelle beauté. Ce cou si blanc. Vénus elle-même. Mais voilà. Qu'importe le voile. Me ferez-vous l'honneur, señorita, d'accepter ce siège? Et le mien, señora. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Voici de vrais gentilshommes. Ai-je tort de supposer que vous êtes étrangère à Madrid? Non, señor. Votre intention est-elle d'y rester quelque temps? Oui, señor. Je suis bien connue à Madrid, et ma famille n'est pas sans crédit à la cour. Si je puis vous être de quelque utilité, disposez de moi. Ce sera me faire honneur et plaisir. Sans doute êtes-vous peu au fait de nos usages que vous gardiez ainsi votre voile. Permettez-moi de vous le retirer. Je n'ôte jamais mon voile en public, seigneur. Et où est le mal, je vous prie? Ne voyez-vous pas que toutes les autres dames ont quitté le leur, par respect pour le saint lieu où nous sommes? Chère tante, ce n'est pas l'usage en Murcie. Qu'importe! C'est l'usage à Madrid. Je vous prie d'ôter votre voile à l'instant. Obéissez-moi, ma nièce. Vous savez que je ne peux pas souffrir qu'on raisonne. Permettez que je vous aide, señorita. Il eût été criminel de continuer de cacher un visage si angélique, des yeux si bleus, qu'ils semblent refléter toute la douceur du ciel. Je vous salue, Marie, Mère de Dieu. Priez pour mon pauvre pécheur. Pardonnez à ma nièce, chevalier. C'est une jeune créature totalement ignorante des choses du monde. Elle a été élevée dans un vieux château en Murcie, sans autre société que celle de sa mère, sa propre sœur, qui n'a pas plus de bon sens et la bonne âme qu'il en faut pour porter sa soupe à la bouche. Mais quel motif vous amène à Madrid? Nous voudrions récupérer une pension dont ma sœur Elvire a été privée à la suite de la mort de son mari et de la mystérieuse disparition de son jeune fils. Antonia, pour aider sa mère sans ressources, devra supplier l'héritier du domaine marquis de son état de lui continuer cette pension. Puis-je vous demander le nom du marquis? Le marquis de La Cisternas. Ah, je le connais intimement. C'est le meilleur des hommes. Et si l'aimable Antonia veut me permettre d'être son avocat auprès de lui, je me flatte d'être en état de lui faire gagner sa cause. Oh, seigneur! Toute notre famille vous en aura les plus grandes obligations. J'accepte votre offre et je vous rends mille grâces de votre générosité. Antonia, pourquoi ne parlez-vous pas, ma chère? Seigneur, je suis très sensible au fait que vous... Ah, voici notre grand homme. Quel sera aujourd'hui le thème de son sermon? Ici, chacun se le demande. Je suis étonné de l'enthousiasme qu'il suscite. Jeunes et vieux, hommes et femmes, c'est une adoration générale et sans exemple. Don Ambrosio est connu par toute la ville sous le nom de l'homme de piété.
Je le trouve bien jeune. Il vient juste de dépasser 30 ans. Est-il de noble origine? On l'ignore jusqu'à présent. Le dernier prieur des Capucins le trouva encore enfant à la porte du monastère. Toutes les recherches que l'on a faites pour découvrir qui l'avait laissé là ont été inutiles. Et lui-même n'a pu donner aucun indice sur ses parents. Ah. Il a été élevé dans le couvent et il y est resté depuis. Chacune des heures de sa vie s'est passée dans l'étude, dans l'isolement absolu du monde, dans la mortification de la chair. Il n'est jamais sorti des murs du couvent. Il passe pour observer si strictement son vœu de chasteté qu'il ne sait pas en quoi consiste la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Oh. Aussi, les gens du peuple le regardent-ils comme un saint. Un saint pour cela? Alors je suis donc une sainte? Quelle question! Fis donc, petite fille, ce ne sont pas là des sujets convenables pour de jeunes personnes. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Mes frères, c'est à l'apôtre Jean que j'emprunterai aujourd'hui les premières paroles de notre méditation. N'aimez pas le monde, nous dit Jean. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, parce que tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de la vie. À l'exemple de ce grand saint, je vous dirai, à vous mes frères, et à vous aussi mes sœurs, n'aimez pas ceux qui s'attachent aux choses sensibles, aux biens périssables. Ne les aimez pas dans leur erreur, ne les suivez pas dans leur égarement. Gardez-vous d'entrer dans leur commerce, dans leurs maximes, d'imiter leurs exemples, parce qu'il n'y a parmi eux que corruption. La concupiscence de la chair est d'abord l'amour des plaisirs des sens. La bonne chair qui appesantit votre cœur, la musique amoureuse qui fait entrer la mollesse en nous par les oreilles, les images pernicieuses du théâtre qui rendent les passions délectables, ces plaisirs nous attachent à notre corps mortel en nous en rendant l'esclave. Le corps rabat la sublimité de nos pensées et nous attache à la terre, nous qui ne devrions respirer que le ciel. L'amour des plaisirs des sens est devenu le joug le plus accablant, la cause la plus manifeste de notre servitude et de nos faiblesses. Nous qui, dans notre innocence, devions être semblables aux anges de Dieu, sommes devenus comme des bêtes. Nous avons perdu le premier honneur de notre nature. La concupiscence est en nous un mal qu'il faut ôter, un vice qu'il faut vaincre, une maladie qu'il faut guérir. Quel remède à cette maladie? Il faut continuellement résister au désir qui en est le germe et le commencement. Ut non fiat malum excendendi, resistendum est malo concupiscendi. Quel feu! Quelle admirable éloquence! Ne trouvez-vous pas? Je n'entends rien au latin et je ne saisis pas tout le sens de ces paroles, mais en vérité, ce moine me remue l'âme. Oui, mes frères, c'est bien une maladie que la contagion de la chair produit dans l'esprit. On ne doit pas cesser de la combattre par la sobriété et la tempérance, par l'abstinence et par le jeûne. Tous ensemble, avec l'aide de Dieu, abattons cette chair rebelle dont la loi impérieuse qui siège en nos membres a tant fait répandre de larmes, tant poussé de gémissements à la cohorte des saints. Pour ce faire, prions. Ne cessons jamais de prier. Priez avec moi, mes frères. Mon Dieu, quand j'hésite si je suivrai votre volonté ou mes propres appétits, n'entends-je pas alors à mon oreille le sifflement du serpent? Lorsqu'à la moindre atteinte du trouble des sens, je me sens si faible,
et que mes résolutions, que je croyais si fermes, tout d'un coup se perdent dans l'air sans que ma raison impuissante puisse résister à leur attrait. Hélas, qu'est-ce d'autre que le serpent qui me tend ce fruit séducteur? Si je le touche, quel plaisir trompeur ne s'écoule-t-il pas dans mes veines? Et combien serais-je perdu si je le mange? Mais de quel fruit s'agit-il, ma tante? Que veut-il dire? Il faut relire la Bible, ma chérie. Nous en reparlerons. Tais-toi et écoute. Seigneur, Seigneur, écartez de moi la tentation de la chair. Délivrez-moi de mes péchés, comme vous avez délivré Noé des eaux du déluge, Lot de l'incendie de Sodome, les enfants d'Israël des profondeurs de la mer Rouge, Jonas du sein du monstre. Délivrez-moi. Délivrez mes frères, comme vous avez délivré une infinité de pécheurs des mains de la mort et des portes de l'enfer. Amen. Quelle noblesse! Quelle admirable élévation de l'âme! J'en suis toute remuée. Quelle peur il m'a donnée lorsqu'il a parlé du serpent! Le voici qui nous quitte. Quand le reverrons-nous? Je n'ai jamais vu si sévère. J'aimerais le toucher, lui baiser les pieds. Il disparaît. La porte de sa sacristie s'est refermée sur lui. Il est comme séparé du monde. Peut-être ne le verrai-je plus jamais. Êtes-vous contente de notre prédicateur, señorita? Ou pensez-vous que Madrid élève trop haut son talent? Oh, il dépasse de beaucoup mes attentes. Jusqu'ici, je n'avais aucune idée du pouvoir de l'éloquence. Mais plus il parlait, plus il m'inspirait d'estime. Il fait exception parmi les hommes et les envieux. Et l'on pourrait chercher en vain une tache sur sa réputation. Très chère tante, engagez ma mère à le choisir pour être notre confesseur. Moi, l'y engager? Je vous promets que je n'en ferai rien. Je n'aime pas du tout votre Ambrosio. Il a une mine sinistre qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. Je n'ai jamais vu mortel avoir l'air si rigide, et j'espère bien ne pas voir son pareil de ma vie. Son portrait du diable a failli me rendre folle de frayeur, et quand il a parlé des pêcheurs, on lui dit qu'il allait les manger. Vous avez raison, señora. Trop de sévérité nuit. Ah, mais la foule est presque dissipée. Voulez-vous nous permettre de vous accompagner jusqu'à votre demeure? Merci. Mais, cavalier, ne puis-je vous demander vos noms? Je suis Lorenzo de Médicis. Je suis le comte d'Essorio. Vous aurez sous peu de mes nouvelles. Vous pouvez y compter. Adieu, cavalier. Venez-vous, ma nièce? Adieu, señorita. Adieu, monsieur. On peut toujours me trouver au palais Médina. Je vois que cette petite Antonia a fait quelque impression sur vous. Je ne puis vous dire à quel point elle m'a charmé. Je n'ai jamais vu de femme aussi séduisante. Auriez-vous l'intention de l'épouser? Et pourquoi non, mon cher comte? Je serais un misérable si je songeais à la séduire. Car en vérité, elle semble posséder toutes les qualités que je puisse souhaiter dans une épouse. Jeune, aimable, douce, spirituelle. Spirituelle? Elle n'a pas dit autre chose que oui et non. Guère plus, j'en conviens. Mais c'était si à propos. Réellement? Je vous rends les armes. Voilà un véritable argument d'amoureux. Et je n'ose discuter plus longtemps avec un si profond casuiste. Si nous allions souper. Quel autre que moi a subi l'épreuve de la jeunesse et n'a pas une seule tache sur la conscience? Quel autre a dompté de violentes passions un tempérament impétueux et s'est soumis dès l'aube de la vie à une réclusion volontaire? Je cherche en vain un tel homme. Quel puissant effet mon sermon a produit sur ses auditeurs! Comme il se pressait autour de moi, comme il m'accablait de bénédictions. Maintenant, que me reste-t-il à faire?
Rien que de veiller aussi soigneusement sur la conduite de mes frères que j'ai veillé sur la mienne. Il faut à présent que j'abandonne la solitude de ma retraite. Les plus nobles et les plus belles dames de Madrid se pressent continuellement au monastère et ne veulent pas d'autres confesseurs. Je dois habituer mes yeux à des objets de tentation et m'exposer aux séductions de la luxure et du désir. Si dans ce monde où je suis forcé d'entrer, je rencontrais une femme adorable, adorable comme vous, belle madone, que cette figure est belle, que la pose de cette tête est gracieuse. Quelle douceur et pourtant quelle majesté dans ces yeux divins. Comme sa joue repose mollement sur sa main. La rose peut-elle rivaliser avec cette joue? Le lys a-t-il la blancheur de cette main? Oh, s'il existait une telle créature, et qu'elle n'existât que pour moi, s'il m'était permis de rouler sur mes doigts ces boucles dorées et de presser sur mes lèvres les trésors de ce sein de neige, Dieu de bonté, résisterais-je alors à la tentation? Arrière idée impure, souvenons-nous que la femme est à jamais perdue pour moi. Ambrosio est à l'abri de la tentation. Pour moi, ce n'en serait point une. Ce qui me charme ici, considéré comme un être idéal et supérieur, me dégoûterait, devenu femme et souillé de toutes les défaillances de la nature mortelle. Ce n'est pas la beauté de la femme qui me comble d'enthousiasme. C'est le talent du peintre que j'admire. En ce portrait de la Vierge, c'est la divinité que j'adore. Les passions ne sont-elles pas éteintes en mon sein? Ne me suis-je pas affranchi de la fragilité humaine? Sois sans crainte, Ambrosio. Prends confiance dans la force de ta vertu. Entre hardiment dans le monde. Tu es au-dessus de ses faiblesses. Qui est là? Ce n'est que Rosario. Entrez, entrez, mon fils. Père, excusez mon indiscrétion. Je viens à vous en suppliant. J'ai appris qu'un de mes chers amis est dangereusement malade et je viens vous demander de prier pour son rétablissement. Si le ciel l'accorde à des prières, assurément ce sera au vôtre. Vous savez, mon fils, que vous pouvez disposer entièrement de moi. Quel est le nom de votre ami? Vincenzo della Ronda. Il suffit, je ne l'oublierai pas dans mes oraisons. Et puisse mon intervention trouver notre trois fois bienheureux Saint-François favorable. Qu'avez-vous dans votre corbeille, Rosario? Quelques fleurs, révérend père, de celles qui ont votre préférence. Voulez-vous me permettre de les arranger dans votre chambre? Vos attentions me charment, mon fils. Je ne vous ai pas vu à l'église ce soir. C'est pourtant la place d'un jeune novice. J'y étais, mon père. Je suis trop reconnaissant de votre protection pour perdre une occasion d'être témoin de votre triomphe. Hélas, j'ai bien peu de droit à ce triomphe. Le saint a parlé par ma bouche, et c'est à lui qu'appartient tout le mérite. Oh, mais vous vous êtes surpassé. Jamais je n'ai entendu une telle éloquence, excepté un jour. Quel était ce jour? Celui où notre ancien supérieur s'étant trouvé subitement indisposé, vous l'avez remplacé dans la chair. Je ne vous connaissais pas à cette époque, Rosario. Il est vrai, mon père. Et plût à Dieu que je fusse mort avant d'avoir vu ce jour. Quelle souffrance, quel chagrin j'aurais évité. Des souffrances à votre âge? Oui, mon père. Des souffrances qui, si elles vous étaient connues, exciteraient également votre courroux et votre compassion. Des souffrances qui font tout à la fois le tourment et le plaisir de mon existence. Toutefois, dans cette retraite, mon cœur est tranquille, mon père. J'ai renoncé à tout. J'ai abandonné le monde et ses joies pour toujours. Rien ne me reste à présent. Rien n'a plus pour moi de charme que votre amitié, que votre affection. Et si je perds cela, oh, si je perds cela, craignez tout de mon désespoir.
Connaissez-moi mieux, Rosario, et jugez-moi digne de votre confiance. Quelles sont vos souffrances? Révélez-les-moi, et croyez que s'il est dans mon pouvoir de les soulager... Oh, vous seul en avez le pouvoir. Et cependant, je ne dois pas vous les faire connaître. Vous me haïriez pour mon aveu. Vous me chasseriez de votre présence avec mépris. Mon fils, je vous le demande instamment. Je vous conjure. Par pitié, ne me faites plus de questions. Je ne le dois pas, je ne l'ose pas. Écoutez, la cloche sonne vêpres. Mon père, votre bénédiction. Benedicat vos omnipotens Deus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Retirez-vous maintenant, mon fils. Je dois accueillir les nonnes de Sainte-Claire et les recevoir en confession. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Allez en paix, ma fille. Vous êtes la dernière aujourd'hui. Allez vite rejoindre vos sœurs. Attendez, ma fille. Vous avez laissé tomber cette lettre. Ah. Non, arrêtez. Je dois la lire. Alors, je suis perdue. Tout est prêt pour votre fuite, ma chère Agnès. Demain à minuit, j'espère vous trouver à la porte du jardin. Je m'en suis procuré la clé. Et peu d'heures suffiront pour vous mettre en lieu sûr. Qu'aucun faux scrupule ne vous pousse à rejeter ce moyen infaillible de vous sauver, ainsi que l'innocente créature que vous portez dans votre sein. Rappelez-vous que vous aviez promis d'être à moi longtemps avant de vous engager à l'église, et que votre état ne pourra bientôt plus échapper au regard inquisiteur de vos compagnes, et que la fuite est la seule manière d'éviter les effets de leur ressentiment malveillant. Adieu, mon Agnès, ma chère femme. Ne manquez pas d'être à minuit à la porte du jardin. Cette lettre doit être remise à l'abbesse. Arrêtez-vous, arrêtez, mon père. Mon père, ayez pitié de ma jeunesse. Regardez d'un œil indulgent la faiblesse d'une femme et daignez cacher ma faute. Le reste de ma vie sera employé à expier ce seul péché. Et votre indulgence ramènera une âme au ciel. Confession extraordinaire. Quoi, le couvent de Sainte-Claire deviendra-t-il l'asile des prostituées? Laisserai-je l'église du Christ nourrir dans son sein la débauche et l'opprobre? Vous vous êtes abandonné à la parole d'un séducteur. Vous avez souillé de votre impureté cet habit sacré. Et vous osez encore vous croire digne de ma compassion? Laissez-moi. Ne me retenez pas plus longtemps. Où est la dame abbesse? Arrêtez, mon père, arrêtez! Écoutez-moi un seul instant. Ne m'accusez pas d'impureté. Ne pensez pas que j'ai été égarée par l'ardeur des sens. Longtemps avant que je prisse le voile, Raymond était maître de mon cœur. Il m'avait inspiré la plus pure, la plus irréprochable passion, et il était sur le point de devenir mon légitime époux. Une horrible aventure et la traîtrise d'une de mes parentes nous ont séparés l'un de l'autre. Je l'ai cru à jamais perdu pour moi et, de désespoir, je me suis jetée dans un couvent. Le hasard nous a rapprochés. Je n'ai pas pu me refuser le triste plaisir de mêler mes larmes aux siennes. Nous nous sommes donné rendez-vous dans les jardins de Sainte-Claire et, dans un moment d'oubli, j'ai violé mes vœux de chasteté. Bientôt, je serai mère. Respectable Ambrosio, prenez pitié de moi. Prenez pitié de l'innocente créature dont l'existence est attachée à la mienne. Nous sommes perdus toutes deux si vous découvrez mon imprudence à la supérieure. Pitié, très révérend père. Rendez-moi ma lettre et ne me condamnez pas à une mort inévitable. Votre audace me confond. Moi cacher votre crime? Moi que vous avez abusé par une fausse confession? Non, ma fille, non. Je veux vous rendre un service plus essentiel. Je veux vous racheter de la perdition en dépit de vous-même. La pénitence et la mortification laveront votre offense et la sévérité vous ramènera de force dans les voies de la sainteté. Hola! Mais Sainte Agathe! Mon père, par tout ce qui vous est sacré, par tout ce qui vous est cher, je vous supplie, je vous conjure! Laissez-moi, je ne vous écouterai pas. Où est la supérieure? Mais Sainte Agathe, où êtes-vous? Cruel, cruel!
Voyez, ma mère. Quoi ? Un tel crime dans notre couvent ? Relevez-vous, pécheresse. Saisissez-vous d'elle. Qu'on l'emporte. Me conduisez-vous déjà au supplice ? Tout espoir est-il donc perdu ? Où es-tu, Raymond ? Sauve-moi, sauve-moi ! Écoutez-moi. Oh, mon cœur dur. Écoutez-moi, orgueilleux, impitoyable, cruel. Vous auriez pu me sauver. Vous auriez pu me rendre au bonheur et à la vertu, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous êtes le destructeur de mon âme. Vous êtes mon assassin. Et sur vous tombe la malédiction de ma mort et de celle de mon enfant à naître. Fier de votre vertu, vous avez dédaigné les prières du repentir, mais Dieu sera miséricordieux si vous ne l'êtes pas. Et où est le mérite de votre vertu si vantée ? Quelle tentation avez-vous vaincue ? Lâche ! Vous avez fui la séduction, vous ne l'avez pas combattue. Mais le jour de l'épreuve arrivera. Oh, alors, quand vous céderez à la violence des passions, quand vous sentirez que l'homme est faible et sujet à errer, lorsqu'en frissonnant vous jetterez l'œil en arrière sur vos crimes et que vous solliciterez avec effroi la miséricorde de Dieu, oh, dans ce moment terrible, pensez à moi. Pensez à votre cruauté. Pensez à Agnès et désespérez du pardon. La violence de son désespoir prouve qu'au moins le vice ne lui est pas familier. Peut-être en la traitant avec un peu moins de sévérité et en mitigeant jusqu'à un certain point la punition ordinaire. La mitiger, mon père ? Ne croyez pas que je le fasse. Les lois de notre ordre sont strictes et sévères. Elles sont tombées depuis longtemps en désuétude, mais le crime d'Agnès me démontre la nécessité de les faire revivre. Je vais signifier mes intentions au couvent. Et Agnès sera la première à éprouver la rigueur de ces lois, qui seront exécutées au pied de la lettre. Adieu, mon père. Vous ici, révérend père. Je vois, mon fils, que j'ai grand tort de venir troubler votre solitude. Je suis entrée dans cette grotte pour me recueillir. Je n'avais jamais remarqué cette plaque de marbre là, dans la pierre. J'ai lu ces vers qui y sont inscrits. La clarté de la lune m'a permis de les déchiffrer. Combien j'envie les sentiments de leur auteur. Étranger, si plein de jeunesse et de désordre, aucun chagrin encore n'a corrompu ton repos. Tu jettes peut-être un œil de dédain sur la prière de l'ermite. Mais si une faute ou un souci te fait soupirer, si tu as connu les tourments de l'amour trompé, ou que tu aies été exilé de ton pays, ou qu'un crime tienne ton âme en effroi et te fasse languir, oh, combien tu dois déplorer ta condition et envier la mienne. Cette inscription n'a été placée ici que pour l'ornement de la grotte. Et les sentiments et l'ermite sont imaginaires. L'homme est né pour la société. Si peu qu'il soit attaché au monde, il ne peut ni l'oublier entièrement, ni supporter d'en être oublié tout à fait. Dégoûté des crimes ou de l'absurdité des hommes, le misanthrope les fuit. Il se résout à se faire ermite, s'enterre dans le creux de quelque sombre rocher. Tant que la haine enflamme son sein, il peut se trouver satisfait de sa condition.
Mais quand son ressentiment commence à se refroidir, quand le temps a mûri ses chagrins et guéri les blessures qu'il avait emportées dans sa solitude, croyez-vous que cette satisfaction demeure sa compagne? Oh non, Rosario. N'étant plus soutenu par la violence de son animosité, il sent toute la monotonie de son genre de vie. Et son cœur devient la proie de l'ennui et de la lassitude. Vous me surprenez, mon père. Et s'il advenait que vous-même... Si vous saviez le plaisir que j'ai à retrouver mes frères le soir. Après avoir passé de longues heures dans l'isolement, si je pouvais vous exprimer la joie que j'éprouve à revoir un de mes semblables. C'est en cela que je place le mérite principal de l'institution monastique. Elle écarte l'homme des tentations du vice. Elle lui procure le loisir nécessaire pour s'acquitter de ses devoirs envers l'être suprême. Elle lui épargne la mortification d'assister aux crimes des mondains. Et pourtant, elle lui permet de jouir des ressources de la société. Réellement, Rosario, enviez-vous la vie d'un ermite? Réfléchissez-y un moment. Ce couvent est devenu votre asile. Votre régularité, votre douceur, vos talents vous ont rendu l'objet de l'estime universelle. Vous êtes séparé du monde que vous prétendez haïr et néanmoins vous restez en possession des avantages de la société. Et de laquelle? D'une société composée des hommes les plus estimables. Mon père, c'est là ce qui cause mon tourment. C'est mon adoration sans borne pour la religion. C'est l'excessive sensibilité de mon âme pour le beau et le bon qui m'accable de honte, m'entraîne à ma perdition. Oh, que n'ai-je jamais vu les murs de ce couvent? Comment, Rosario? Si vous n'aviez jamais vu ces murs, vous ne m'auriez jamais vu. Est-ce là vraiment votre idée? Que ne vous ai-je jamais vu? Vous? Vous? Plût à Dieu qu'avant de vous rencontrer, un éclair m'ait brûlé les yeux. Plût à Dieu que je ne vous revisse jamais. Et que je puisse oublier que je vous ai jamais vu. Au dernier mois de sa vie infortunée, ma sœur, Mathilde, aimait, elle aussi, écouter chanter le rossignol. Vous avez une sœur? Hélas, je n'en ai plus. Elle a succombé à ses chagrins au printemps de sa vie. Quels étaient ses chagrins? Un amour malheureux. Une passion pour un homme doué de toutes les vertus, mais qui avait déjà engagé sa foi à une fiancée. Mathilde avait quitté pour lui la maison de notre père et s'était engagée chez lui comme domestique. Elle n'ambitionnait qu'une place dans son cœur. Dans un moment d'oubli, elle lui confessa son affection. Épris de sa jeune fiancée et croyant qu'un regard de pitié accordé à une autre serait un vol qu'il lui ferait, le jeune homme chassa Mathilde de sa présence. Sa sévérité brisa ce faible cœur. Elle retourna chez mon père et, peu de mois après, on l'a mis au tombeau. Malheureuse fille. Assurément, son destin fut trop rigoureux et cet homme trop cruel. Le pensez-vous, mon père? Sans aucun doute. Et je la plains bien sincèrement. Vous la plaignez? Vous la plaignez? Oh, mon père! Mon père, alors plaignez-moi, oui, plaignez-moi. Car mes souffrances sont encore plus grandes. Ma sœur avait un ami véritable, qui compatissait à la violence de ses sentiments. Et moi, je n'ai pas d'amis. Le vaste univers ne contient pas un cœur qui veuille participer aux souffrances du mien. Vous n'avez pas d'amis, dites-vous? Qui suis-je donc? Pourquoi ne pas vous fier à moi? Et que pouvez-vous craindre? Ma sévérité? En ai-je jamais usé avec vous? La dignité de mon habit? Rosario, je mets de côté le moine et vous invite à ne me considérer que comme votre ami, comme votre père. Je puis bien prendre ce titre, car jamais père ne veilla sur son enfant avec plus de tendresse que je n'ai fait sur vous. Du moment où je vous ai vu, j'ai éprouvé des sentiments jusqu'alors inconnus à mon cœur.
J'ai trouvé dans votre société un charme qu'aucune autre n'avait pour moi. Et lorsque j'ai observé l'étendue de votre esprit et de vos connaissances, je m'en suis réjoui. Bannissez donc vos craintes. Ouvrez-vous à moi. Parlez, Rosario, et dites que vous avez confiance en moi. Si mon aide ou ma compassion peut alléger votre infortune... La vôtre le peut. La vôtre seule. Ah, mon père, combien je voudrais vous dévoiler mon cœur, combien je voudrais vous déclarer le secret qui m'écrase de son poids. Mais, oh, j'ai peur. J'ai peur. De quoi, mon fils ? Que vous me détestiez pour ma faiblesse. Que le prix de ma confiance ne soit la perte de votre estime. Vous détestez, Rosario ? Renoncer à votre société, ce serait me priver du plus grand plaisir de ma vie. Révélez-moi donc ce qui vous afflige. Et croyez-moi quand je jure solennellement... Jurez que quel que soit mon secret, vous ne m'obligerez pas de quitter le monastère avant que mon noviciat soit expiré. Je le promets sur ma foi. Maintenant donc, expliquez-moi ce mystère. Et comptez sur mon indulgence. Sachez donc... Oh, combien je tremble de prononcer ce nom. Écoutez-moi avec commisération, vénérable Ambrosio. Fouillez dans votre cœur. Ramassez-y les moindres parcelles d'humaine faiblesse afin d'apprendre à compatir à la mienne. Mon père! Mon père! Je suis une femme! Ne me fuyez pas! Ne m'abandonnez pas à l'impulsion de mon désespoir. Écoutez la justification de mon imprudence. L'histoire de ma sœur est la mienne. Je suis Mathilde, vous êtes celui qu'elle aime. Ne pensez pas, Ambrosio, que je vienne dérober vos affections à votre fiancé, non. Croyez-moi, la religion est seule digne de vous. Et il s'en faut que Mathilde veuille vous détourner des sentiers de la vertu. Ce que je sens pour vous est de l'amour, et non pas de la licence. Je soupire après la possession de votre cœur. Je ne nourris aucun désir lubrique à l'endroit de votre personne. Daignez écouter ma défense. Peu d'instants vous convaincront que cette sainte retraite n'est point souillée par ma présence et que vous pouvez accorder votre compassion sans enfreindre vos vœux. Daignez m'écouter, mon père. Je suis d'une famille distinguée. Mon père était chef de la noble maison de Villanegas. Il mourut quand je n'étais encore qu'une enfant et il me laissa seule héritière de ses biens immenses. Jeune et riche, je fus recherchée en mariage par les plus nobles jeunes gens de Madrid, mais aucun ne réussit à gagner mon affection. Je rejetai chaque offre avec dédain. Mon cœur resta sans maître, jusqu'à ce que le hasard me conduisît dans la cathédrale des Capucins. Oh, sûrement ce jour-là, mon ange gardien sommeilla, négligeant sa tâche. Ce fut alors que je vous vis pour la première fois. Vous remplaciez le supérieur qui était malade. Vous n'avez pu oublier le vif enthousiasme qu'excitait votre sermon. Oh, comme je buvais vos paroles. Comme votre éloquence s'emparait de moi. J'osais à peine respirer, craignant de perdre une syllabe. Et tandis que vous parliez, il me semblait qu'une auréole de gloire luisait autour de votre tête et que votre visage resplendissait de la majesté d'un dieu. Je sortis de l'église, brûlante d'admiration. À dater de cet instant, vous devîntes l'idole de mon cœur, l'objet incessant de mes méditations. Je sentais qu'il n'existait plus désormais de vide dans ma vie, que j'avais enfin trouvé l'homme que je cherchais, dans l'espérance de vous entendre encore. Chaque jour, je visitais la cathédrale. Vous restiez renfermés dans les murs du couvent. Et toujours, je me retirais triste et déçu. Découragé, j'évitais la société et ma santé déclina de jour en jour. Enfin, incapable d'exister plus longtemps dans cet état de torture, je me décidai à prendre le déguisement sous lequel vous me voyez. Mon artifice a réussi. J'ai été reçue dans le couvent et je suis parvenue à gagner votre estime. Je viens donc de me résoudre
à ne point laisser au hasard la découverte de mon sexe, à vous confesser tout, sans réserve, et de me jeter dans les bras de votre miséricorde et de votre indulgence. Ah, Ambrosio, me suis-je trompée? Serez-vous moins généreux que je ne pensais? Je ne veux pas le supposer. Vous ne réduirez pas une infortunée au désespoir. J'aurai toujours la permission de vous voir, de causer avec vous, de vous adorer. Vos vertus seront mon modèle dans la vie. Et quand nous expirerons, nos corps reposeront dans le même tombeau. Lâchez ma main, s'il vous plaît, madame. Comment pouvez-vous sérieusement espérer l'autorisation de rester parmi nous? Quand même je consentirais à cette demande, quel bien en retireriez-vous? Pensez-vous que je puisse jamais répondre à une affection? Non, mon père! Non! Je ne compte pas vous inspirer un amour comme le mien. Je ne demande que la liberté d'être auprès de vous, de passer dans votre société quelques heures de la journée, d'obtenir votre compassion, votre amitié, votre estime. Certainement, ma requête n'est pas déraisonnable. Mais songez, madame, songez un seul instant à l'inconvenance qu'il y aurait pour moi à receler une femme dans le couvent. Et une femme qui a vous m'aimer. Cela ne doit pas être. Il y a trop de risques qu'on vous découvre. Et je ne veux pas m'exposer à une si dangereuse tentation. Oubliez que je suis une femme, et la tentation n'existera plus. Ne voyez en moi qu'un ami, un infortuné dont le bonheur, dont la vie dépend de votre protection. Ne craignez pas qu'entraîné par des désirs contraires à vos vœux et à mon propre honneur, j'entreprenne de vous détourner de la voie de la rectitude. Non, Ambrosio, apprenez à mieux me connaître. Je vous aime pour vos vertus. Perdez-les, et avec elles, vous perdrez mon affection. Je vous regarde comme un saint. Prouvez-moi que vous n'êtes rien de plus qu'un homme, et je vous quitte avec dégoût. Ayez une plus noble opinion de moi. Ayez-en une plus noble de vous-même. Oh, je suis incapable de vous pousser au mal. Ambrosio, cher Ambrosio, ne me chassez pas de votre présence. Souvenez-vous de votre promesse et autorisez-moi à rester. Impossible, Mathilde. Votre intérêt me commande de vous refuser. Car si je tremble, c'est pour vous et non pour moi. Pour vous-même, ce séjour dans le couvent ne peut produire que de funestes conséquences. Vous interpréterez mal chacune de mes paroles et de mes actions. Vous saisirez avidement chaque circonstance qui vous encouragera à espérer un retour d'affection. Insensiblement, vos passions deviendront plus fortes que votre raison. Et loin que ma présence les réprime, chaque moment que nous passerons ensemble ne servira qu'à les irriter et à les exciter. Je serai coupable de ne point vous ouvrir les yeux. Le devoir m'oblige à vous traiter avec rigueur. Je dois rejeter votre prière. Mathilde, vous partirez d'ici demain. Vous n'aurez pas la cruauté. Ce serait un parjure de cacher qu'une femme vit dans cette enceinte. Et mes vœux m'obligent à révéler votre histoire à la communauté. Il faut partir. Je vous plains, mais je ne puis rien de plus. Arrêtez! Un seul moment, Ambrosio, écoutez-moi. Une seule fois. Rien qu'une seule, et ce sera fait. Laissez-moi! Vos prières sont vaines, il faudra partir demain. Allez donc, barbare! Mais il me reste cette ressource! Mon père! Je ne sortirai pas vivante de ces murs! Arrêtez, Mathilde! Que faites-vous? Vous êtes déterminée, moi aussi. Aussitôt que vous me quitterez, je me plonge ce poignard dans le cœur. Non, Saint-François, Mathilde, avez-vous votre raison? Savez-vous les conséquences de votre action? Savez-vous que le suicide est le plus grand des crimes? Que vous perdez votre âme? Que vous renoncez à tout salut? Que vous vous préparez des tourments éternels? Peu m'importe! Votre main me guidera au paradis ou la mienne va me vouer à l'enfer! Cachez ce sein, malheureuse. Je ne dois pas voir ce sein. Ce sein si blanc que caressent les rayons de la lune. Je vous en prie, Mathilde. Alors dites-moi. Dites-moi que vous cacherez mon aventure. Oui, je le ferai. Dites que je resterai Rosario, votre ami et votre compagnon. Dites-le, ou ce poignard boira mon sang. Arrêtez! Je ne résiste plus. Restez donc enchanteresse. Restez pour ma destruction. Agnès, Agnès, j'éprouve déjà l'effet de ta malédiction. C'était Le Moine de Matthew G. Lewis. Premier chapitre. Avec Daniel Mesguich, Ambrosio,
Sylvie Ferraud, Mathilde. Valérie Alain, Antonia. Corinne Juresco, Agnès. Bernard Brieux, Don Lorenzo. Daniel Tarrar, Don Cristobal. Sophie Genet, Léonella. Françoise Dupré, l'abbesse. Et les voix de Jean-Paul Racodon, Philippe Ciboulet, Nicky Marbeau, Alain Rignot, Françoise-Henri Cumer, Delphine Boisse, Vanda Benesch, Christine Arménie. Bruitage, Louis Amiel. Prise de son et mixage, Noélie Louis-Marie, Jean-Michel Després. Assistante, Brigitte Mazir. Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Moine, de Matthew G. Lewis. Traduction de Léon de Vailly. Ambrosio, Daniel Mesguich. Mathilde, Sylvie Ferraud. Agnès, Corinne Juresco. Antonia, Valérie Alain. Lucifer, Christophe Allwright. Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne. Chapitre 2. Madrid à la fin du XVIIe siècle. Ambrosio, prieur de l'église des Capucins, homme à la piété rigoureuse, a livré la jeune nonne Agnès, coupable d'avoir enfreint ses vœux de chasteté, aux mains de l'impitoyable mère abbesse. Agnès le maudit. Le jeune novice Rosario, qui voue au prieur une admiration sans bornes, lui révèle son véritable sexe et le supplie de le garder à l'intérieur du couvent. Ambrosio, troublé dans sa chair, refuse d'abord, puis cède à la demande de Mathilde. Asseyez-vous près de moi sur ce banc. Écoutez-moi patiemment, Mathilde. La nuit a dissipé mon trouble et m'a montré mon erreur. Croyez que je ressens pour vous la plus tendre amitié, la plus sincère compassion. Vous ne pouvez éprouver un chagrin plus vif que celui que j'ai à vous déclarer que nous ne devons plus nous revoir. Où sont donc vos promesses? Aurez-vous le cœur de me chasser? Ne m'avez-vous pas juré solennellement le contraire? Ne me délirez-vous pas de ce serment? Songez au danger d'être découverte, à l'opprobre où me plongerait un tel événement. Songez que mon honneur et ma réputation sont en jeu, et que la paix de mon âme dépend de votre consentement. Jusqu'ici, mon cœur est libre. Je me séparerai de vous avec regret, mais non avec désespoir. Restez. Et peu de semaines suffiront pour sacrifier mon bonheur à l'autel de vos charmes. Vous êtes trop attrayante, trop séduisante. Je vous aimerai. Je vous adorerai. Mon sein deviendrait la proie des désirs que l'honneur et ma profession m'interdisent d'écouter. Si je leur résistais, l'impétuosité de ces désirs non assouvis m'entraînerait à la folie. Si je cédais à la tentation, j'immolerai à un instant de plaisir criminel ma réputation dans ce monde et mon salut dans l'autre. C'est vous vers qui j'accours pour me défendre contre moi-même. Empêchez-moi de perdre le prix de 30 années de souffrance. Empêchez-moi de devenir la victime du remords. Votre cœur a déjà éprouvé l'angoisse d'un amour sans espoir. Aussi réellement je vous suis cher, épargnez au mien cette angoisse. Rendez-moi ma promesse. Fuyez ces murs. Partez et vous emporterez mes plus ferventes prières pour votre bonheur, mon amitié, mon estime et mon admiration. Restez et vous devenez pour moi la source du danger, des souffrances et du désespoir. Répondez-moi, Mathilde. Quelle est votre décision ? Ne me direz-vous pas quel est votre choix?
Vous savez trop bien que vous ne me laissez pas le choix. Vous savez trop bien que je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre. Je n'ai donc plus rien à désirer. Si ce n'est de nous retrouver au ciel. Adieu, mon ami. Mon Ambrosio. Et pourtant, ce me semble, ce serait une consolation pour moi d'emporter quelques gages de votre affection. Que vous donnerais-je ? La moindre chose, n'importe laquelle. Une de ces fleurs suffira. Je la cacherai dans mon sein. Et quand je serai morte, les nonnes la trouveront séchée sur mon cœur. Répondez-moi au nom du ciel, qu'est-il arrivé ? Caché parmi ces roses, une vipère. Oh, oh Dieu, que faire ? À l'aide ! C'est ce que je craignais. Il n'y a pas d'espoir. Pas d'espoir. Mon Dieu, quelle tristesse. À la soudaineté de l'effet, je soupçonnais que le prieur avait dû être piqué par un mille-pieds. Ce redoutable serpent que les vaisseaux de Christophe Colomb ramenèrent ici de Cuba. Le venin que vous voyez sur ma lancette confirme cette idée. Le père Ambrosio ne pourra pas vivre 3 jours. Ne peut-on trouver aucun remède ? Pour le sauver, il faudrait extraire le poison, et le moyen de l'extraire est encore un secret pour moi. Tout ce que je puis faire, c'est d'appliquer des herbes sur la blessure pour en diminuer la douleur. Le malade reprendra connaissance, mais le venin corrompra toute la masse de son sang. Et dans 3 jours, il n'existera plus. Je vais le soigner. Ensuite, mes frères, laissons-le dormir. Je le veillerai cette nuit. L'inflammation a disparu en quelques heures. C'est étrange. Voyez, ma lancette sort de la plaie, nette et pure. Aucune trace de venin. C'est incompréhensible. C'est un miracle. Un miracle. Oui, un vrai miracle. Le père Ambrosio est un saint. Saint François l'a sauvé. Rosario, mon fils, donnez-lui toutes les heures un petit verre de cette boisson fortifiante. Mais il devra garder le lit 2 jours encore. Retirons-nous, mes frères. Vous êtes encore ici, Mathilde ? Sans doute le ciel a envoyé ce serpent pour me punir. Chut, mon père. Il ne faut pas parler. Vous êtes encore très faible. Il faut dormir. Vous ne devez pas me désobéir. Comment suis-je encore là ? Un miracle, oui. Seul un miracle a pu me sauver du tombeau. Dormez, mon père. Dormir. Oui. Dormir.
Heureuse image, belle Madone. C'est à vous qu'il offre ses prières. C'est vous qu'il contemple avec admiration. Je pensais que vous auriez allégé mes peines. Vous n'avez servi qu'à les aggraver. C'est la religion et non la beauté qui attire son admiration. Ce n'est pas devant la femme. C'est devant la divinité qu'il s'agenouille. Oh. S'il pouvait m'adresser la moins tendre des expressions qu'il prodigue à cette Madone. Si seulement il me disait que s'il n'était pas fiancé à l'église, il n'aurait pas dédaigné Mathilde. Oh, douce idée. Peut-être avouera-t-il qu'il sent pour moi plus que de la pitié. Peut-être en conviendra-t-il quand je serai au lit de la mort. Il n'aura plus à craindre alors d'enfreindre ses vœux, et la confession de sa tendresse adoucira les tortures de mon agonie. Oh, si j'avais cette certitude. Oh, comme j'aspirerais à l'instant de ma destruction. Mathilde, oh ma Mathilde, comme vous lui ressemblez. Cette image, est-il possible? Les mêmes traits, les mêmes cheveux dorés, les mêmes lèvres de rose, les mêmes yeux célestes. Oui, Ambrosio. Je ne puis vous le cacher davantage. Oui. Dans Mathilde de Villanegas, vous voyez l'original de votre bien-aimée Madone. Peu après que cette malheureuse passion eut pris naissance dans mon cœur, je formais le dessein de vous faire parvenir mon portrait. Le nombre de mes admirateurs m'avait persuadé que je possédais quelque beauté, et je brûlais de savoir l'effet qu'elle produirait sur vous. Je me fis peindre par Martin Galuppi, un Vénitien célèbre qui à cette époque résidait à Madrid. La ressemblance fut frappante. J'envoyai le portrait au Capucin comme s'il était à vendre, et le juif qui l'apporta était un de mes émissaires. Vous en fîtes l'acquisition. Jugez de mon ravissement quand je sus que vous l'aviez contemplé avec bonheur, ou plutôt avec adoration, que vous l'aviez suspendu dans votre cellule et que vous n'adressiez plus vos supplications à aucun autre saint. J'ai été témoin des transports que sa beauté excitait en vous. Cependant, je me suis abstenue d'user contre votre vertu des armes que vous m'aviez fournies vous-même. Je vous ai caché ces traits que vous aimiez sans le savoir. Je n'ai pas cherché à allumer vos désirs en découvrant mes charmes et à me rendre maîtresse de votre cœur par l'entremise de vos sens, attirer votre attention par ma studieuse observance des devoirs religieux, me faire chérir de vous, en vous prouvant que mon âme était vertueuse et mon attachement sincère, tel a été mon seul but. J'ai réussi. Je suis devenue votre compagnon et votre ami. J'ai dérobé mon sexe à votre connaissance. Si vous ne m'aviez pressée de révéler mon secret, si je n'avais été tourmentée de la crainte d'être découverte, vous ne m'auriez jamais connue que sous l'apparence de Rosario. Êtes-vous toujours résolu à me chasser? Notre séparation est indispensable. Nous devons nous dire adieu. Mais pas aujourd'hui, mon père. Oh, par pitié. Pas aujourd'hui. Puisque vous insistez, je cède à votre prière. Je consens à vous laisser un délai suffisant pour préparer un peu les frères à votre départ. Restez encore 2 jours. Mais le troisième... Souvenez-vous que le troisième, il faudra nous quitter pour jamais. Merci. Le troisième, vous avez raison, mon père. Vous avez raison. Le troisième, pour jamais. Mon Dieu, comme vous êtes pâle, soudain. Vous êtes malade? Je vais vous envoyer le père Pablos. Je suis malade, il est vrai. Mais... il ne peut me guérir. Je vais aller me reposer dans ma cellule. Adieu, mon père.
Oh, hâtez-vous, révérend père. Venez chez le jeune Rosario. Il demande instamment à vous voir. Il semble à l'article de la mort. Juste ciel. Où est le père Pablos? Oh, je tremble. Le père Pablos l'a vu, mais son art n'y peut rien. Il soupçonne le jeune homme d'être empoisonné. Oh, l'infortuné, hâtons-nous. Peut-être est-il temps de le sauver encore. Qu'avez-vous fait, imprudente? Dites-moi, mes soupçons sont-ils justes? Votre bras a-t-il été l'instrument de votre destruction? En quoi ai-je été imprudente, mon père? J'ai sacrifié un caillou et sauvé un diamant. Ma mort conserve une vie précieuse au monde qui m'est plus chère que la mienne. Oui, mon père, je suis empoisonnée. Mais sachez que ce poison a circulé auparavant dans vos veines. Vous dormiez. J'ai défait l'appareil de votre main. J'ai baisé la plaie et de mes lèvres sucé le poison. L'effet a été plus prompt que je n'avais cru. Je sens la mort dans mon cœur. Une heure encore. Et je serai dans un meilleur monde. Dieu tout puissant, vous vous êtes sacrifié pour moi? Vous mourrez pour me sauver? N'y a-t-il donc pas de remède? N'y a-t-il donc pas d'espoir? Oh, parlez-moi. Dites-moi qu'il existe encore quelques ressources. Rassurez-vous, mon unique ami. Oui, j'ai encore une ressource. Mais une ressource que je n'ose employer. Elle est dangereuse. Elle est terrible. Ce serait acheter trop cher la vie. À moins qu'il ne me fût permis de vivre pour vous. Eh bien, vivez pour moi, Mathilde. Rappelez-vous de quelle vive couleur vous avez peint l'union des âmes. Oublions les distinctions de sexe, méprisons les préjugés du monde et ne soyons l'un dans l'autre qu'un frère et un ami. Vivez donc, Mathilde. Oh, vivez pour moi. Ambrosio, cela ne se peut. Quand je l'ai cru, je vous ai abusé, et moi-même avec vous. Il faut que je meure à présent. Ou que j'expire dans les tortures d'un désir non assouvi. Depuis notre dernier entretien, une main terrible a déchiré le voile qui couvrait mes yeux. Je ne vous aime plus avec la dévotion que l'on doit à un saint. Je ne vous prise plus pour les vertus de votre âme. Je désire jouir de votre personne. La femme règne dans mon sein. Et je suis devenue la proie de la plus fougueuse des passions. Oh, fille de votre amitié, c'est le mot froid d'un insensible. Mon cœur brûle d'amour, d'un amour inexprimable. Et l'amour doit être payé de retour. Tremblez donc, Ambrosio. Tremblez de voir vos prières exaucées. Si je vis... Votre foi, votre réputation, votre récompense d'une vie passée dans les privations, tout ce qui vous est précieux est perdu irrévocablement. Oh, je ne serai plus capable de combattre. Je saisirai toutes les occasions d'exciter vos désirs et travaillerai à effectuer votre déshonneur et le mien. Ah non, non, Ambrosio, je ne dois pas vivre. Chaque instant me prouve que je n'ai qu'une alternative. Je sens à chaque battement de mon cœur qu'il faut que je vous possède ou que je meure. Oh, Mathilde, est-ce bien vous qui me parlez? Ne me quittez pas. Écoutez mes erreurs avec pitié. Dans peu d'heures, je ne serai plus. Encore un peu... Je
serai délivrée de cette honteuse passion. Mais vivez, Mathilde. Oh, vivez. Touchez ce cœur, mon père. Sentez ce cœur. Il est encore le siège de l'honneur, de la candeur, de la chasteté. S'il bat demain, il tombera en proie au plus noir forfait. Oh non. Oh, laissez-moi. Laissez-moi donc mourir, tandis que je mérite encore les larmes des hommes vertueux. C'est ainsi que je veux expirer. Serré dans vos bras, je m'enfoncerai dans le sommeil. Votre main fermera mes yeux pour toujours, et vos lèvres recueilleront mon dernier souffle. Et ne penserez-vous pas quelquefois à moi? Ne répandrez-vous pas quelquefois une larme sur ma tombe? Oh oui, oui. Oh, ce baiser m'en donne une assurance. Oh, Ambrosio, mon Ambrosio. Dans quel abîme de misère vous m'avez plongé. Si l'on découvre votre sexe, mon honneur, ma vie elle-même, devront payer quelques instants de plaisir. Insensé que je suis de m'être livré à vos séductions. Oh, que faire à présent? Comment expier mon offense? Quel sacrifice peut acheter le pardon de mon forfait? Malheureuse Mathilde, vous avez à jamais détruit mon repos. N'ai-je pas partagé votre crime? N'avez-vous pas partagé mon plaisir? Crime? En quoi consiste le nôtre? Si ce n'est dans l'opinion d'un monde sans jugement. Que ce monde l'ignore, et nos joies deviennent divines et irréprochables. Oh. Vos vœux de célibat étaient contre nature. L'homme n'a pas été créé pour un tel état. Et si l'amour était un crime, Dieu ne l'aurait pas fait si doux, si irrésistible. Bannissez donc ces nuages de votre front, mon Ambrosio. Goûtez librement ces voluptés, sans lesquelles la vie est un don méprisable. Cessez de me reprocher de vous avoir appris ce qu'est le bonheur, et éprouvez une jouissance égale à celle de la femme qui vous adore. Oh. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime trop. Je ne veux pas que tu meures. Je sais comment continuer à vivre. Mais il faut que vous prêtiez le serment solennel de ne jamais chercher à connaître les moyens secrets auxquels j'aurai recours pour me sauver. Jurez, mon bien-aimé. Je le jure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de m'introduire dans le cimetière à minuit. De veiller, tandis que je descendrai dans les caveaux de Sainte-Claire, de peur que quelque œil curieux n'observe mes actions. De m'y laisser seule, une heure, et je réponde cette vie que je consacre à vos plaisirs. Pour prévenir tout soupçon, ne venez pas me voir pendant le jour. Procurez-vous la clé, et je vous attends avant minuit. Écoutez, j'entends des pas. Laissez-moi. Je vais faire semblant de dormir.
Il y a quelqu'un dans les caveaux. Cachons-nous derrière ce tombeau et attendons leur départ. Tout est préparé. Son sort sera décidé demain. Tous ses pleurs et ses soupirs ne serviront de rien. Non. Depuis 25 ans que je suis supérieure de ce couvent, jamais je n'ai vu de trait plus infâme. Vous devez vous attendre à bien de l'opposition. Agnès a beaucoup d'amis dans le couvent, et la mère Sainte-Ursule en particulier épousera sa cause très joliment. Vénérable mère, si vous consentez à atténuer la rigueur de votre sentence, si vous daignez oublier cette première transgression, je m'offrirai pour caution de sa conduite future. L'oublier ? Dites-vous ? Mère Camille, vous m'étonnez. Quoi ? Après m'avoir déshonorée aux yeux de l'idole de Madrid, de l'homme même à qui je désirais le plus donner une idée de la régularité de ma discipline, comme j'ai dû paraître méprisable au révérend prieur. Non, ma mère. Non ! Je ne puis pardonner cet outrage. Je ne puis mieux convaincre Ambrosio de mon horreur pour de tels crimes qu'en punissant Agnès avec toute la rigueur qu'admettent nos sévères lois. Ma résolution est prise. Demain, Agnès sera un terrible exemple de ma justice et de mon ressentiment. Mais quelle est donc cette Agnès ? Qu'a-t-elle à faire avec vous ? Je vous expliquerai cela plus tard. Attendez, je vous en prie. Donnez-moi la lampe. Je dois descendre seule dans ces souterrains. Attendez ici. Et si quelqu'un s'approche, avertissez-moi par un cri. Mais si vous tenez à la vie, ne vous avisez pas de me suivre. Vous tomberiez victime de votre imprudente curiosité. Le matin est sur le point de paraître. Retirons-nous au couvent de peur que la clarté du jour ne nous trahisse. J'ai réussi. J'ai réussi au-delà de mes plus chères espérances. Je vivrai. Je vivrai pour vous. La démarche que je frémissais de faire sera pour moi une source de joie inexprimable. Oh, si José voulait faire partager. Oh, s'il m'était permis de vous associer à mon pouvoir. Et qui vous en empêche ? Pourquoi me faire un secret de ce qui s'est passé dans le souterrain ? Me croyez-vous indigne de votre confiance ? Mathilde, je douterai de la vérité de votre affection tant que vous aurez des joies auxquelles il me sera interdit de prendre part. Vos reproches sont injustes. Je vois encore trop le moine en vous. Votre esprit est esclave des préjugés de l'éducation, et la superstition pourrait vous faire trembler à l'idée de ce que l'expérience m'a appris à apprécier. L'heure n'est pas venue de vous révéler un secret de cette importance, mais la force de votre jugement et la curiosité que je me réjouis de voir étinceler dans vos yeux me font espérer qu'un jour, vous mériterez ma confiance. Jusque-là,
Modérez votre impatience. Rappelez-vous que vous m'avez fait le serment solennel de ne pas chercher à connaître les aventures de cette nuit. J'insiste pour que vous teniez ce serment. Car si je vous pardonne d'avoir manqué de parole à Dieu, j'espère que vous me serez plus fidèle. Viens, mon amour. Je suis à toi. Tu es belle, oh mon ami. Oui, tu es belle. Tes yeux brillent pareils à ceux d'une colombe. Tes lèvres ressemblent à un ruban écarlate. Et ta bouche respire le charme. Tes deux seins sont comme les deux fonds jumeaux d'une gazelle qui paisse au milieu des lys. Aucune tache ne dépare ta beauté. Tu m'as ravi le cœur par un seul de tes regards. Que tes caresses sont exquises, ô ma sœur, ma fiancée. Ton amour est plus doux que le vin. Le lait et le miel coulent de tes lèvres. Oui, tu es une fontaine au milieu des jardins. Unique est ma colombe, ma parfaite amie. Belle comme la lune, radieuse comme le soleil. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort. La passion est indomptable comme le séjour des morts. Ses flammes sont des flammes de feu, le feu dévorant de l'éternel. Je ne désire pas votre mort, sœur Agnès, mais votre repentir. Je vous purifierai par un châtiment salutaire et je laisserai plein loisir à votre contrition et à vos remords. N'espérez pas, ma fille, échapper à ce châtiment et qu'une aide quelconque vienne vous tirer de ces murs. Tout Madrid croit que vous n'êtes plus. J'ai fait répandre la nouvelle de votre maladie. Vos parents sont persuadés de votre mort. J'ai pris toutes les précautions pour que le mystère en soit impénétrable. Écoutez donc la sentence de Sainte-Claire. Sous ces caveaux, il existe des prisons destinées à recevoir des criminels tels que vous. L'entrée en est habilement cachée et celle qu'on y enferme doit renoncer à tout espoir de liberté. C'est là que vous allez être conduite. On vous apportera des aliments, mais non suffisamment pour satisfaire votre appétit. Vous en aurez seulement assez pour maintenir l'âme dans le corps. Et ils seront de la qualité la plus simple et la plus grossière. Pleurez, ma fille. Pleurez! Humectez votre pain de larmes. Dieu sait que vous avez un ample sujet de chagrin. Enchaînée dans un de ces cachots secrets, séparée à jamais du monde et de la lumière, sans autre consolation que la religion, sans autre société que le repentir, voilà comme vous devez passer à gémir le reste de vos jours. Tels sont les ordres de Sainte-Claire. Soumettez-vous-y, sans murmurer. Oh, si ce n'est pour moi, jetez du moins un regard de pitié sur l'être innocent dont la vie est attachée à la mienne. Mon crime est grand, mais que mon enfant n'en souffre pas. Il n'a pas commis de faute, lui. Oh, épargnez-moi par égard pour lui, que votre sévérité condamne à périr avant de naître. Entends-moi, fille coupable. N'attends de moi aucune pitié, ni pour toi, ni pour ton avorton. Prie plutôt pour que la mort te saisisse avant de le mettre au jour. Ou s'il doit voir la lumière, que ses yeux se referment aussitôt pour jamais. Personne ne t'assistera dans les douleurs de l'enfantement. Mets toi-même au monde ton rejeton. Nourris-le toi-même. Soigne-le toi-même. Enterre-le
toi-même. Et Dieu veuille que ce soit bientôt, afin que tu ne tires pas consolation du fruit de ton iniquité. Malheureux que je suis, ayant offensé le ciel et la terre, où irai-je? Où me tourner? Vers qui me réfugier? Qui me prendra en pitié? Lever les yeux vers le ciel, je n'ose, car j'ai péché gravement contre lui. De refuge sur la terre, je n'en trouve pas, car je suis pour elle un scandale. Que ferai-je donc? Je désespérerai. Désespérerez-vous, mes frères? Désespérerez-vous sous le poids de vos fautes? Oh non, car la miséricorde est en Dieu. Dieu seul est le refuge. Seigneur, ôtez ma misère, ôtez mes péchés qui sont ma suprême misère. Qu'est-ce donc que péché? Sinon s'attacher à l'amour de la créature pour elle-même. J'ai péché contre vous seul, faisant de la créature mon Dieu. Lavez-moi, Seigneur, de mon iniquité, que l'amour du monde, l'amour de la chair, l'amour de la gloire me quitte tout à fait. Lavez-moi de l'eau de vos grâces, lavez-moi de l'eau de mes larmes, lavez mon cœur de votre miséricorde. Ne m'abandonnez pas à jamais. Amen. Révérend père, une jeune pénitente supplie que vous la receviez. Sa mère est très malade et aurait grand besoin de votre aide. Soit, faites-la entrer. Révérend père, ma mère, mon excellente mère gît sur son lit de douleur. Les médecins désespèrent de sa vie. L'aide des hommes me manque. Il ne me reste qu'à implorer la miséricorde divine. Mon père, tout Madrid retentit du bruit de votre piété et de votre vertu. J'ai moi-même été remuée par la flamme de vos sermons. Ma mère a besoin d'un confesseur et ne sait à qui s'adresser. Vos prières et votre aide lui seraient d'un grand secours. Où habite-t-elle? Rue de San Lago, à 4 portes du palais. Donna Elvira d'Alfa. Je suis Antonia, sa fille. Gardez confiance, mon enfant. Je vous enverrai un confesseur ce soir même. Oh, Dieu vous bénisse, mon père. Heureux l'homme qui va posséder le cœur de cette charmante fille. Quelle délicatesse de trait, quelle élégance de forme. Quelle ravissante innocence dans ses yeux craintifs. Oh, plus doux doit être un baiser dérobé à ses lèvres de rose que toutes les brutales faveurs dont Mathilde est si prodigue. Lascive, luxurieuse, Mathilde me gorge de jouissance jusqu'à m'enlacer. Elle m'impose ses caresses. Si elle savait le charme inexprimable de la pudeur. Que ne donnerais-je pour être relevé de mes vœux, pour qu'il me fût permis de déclarer mon amour naissant à la face de la terre et du ciel? Antonia, charmante fille,
Être assis près de toi, des jours, des années, à écouter ta douce voix, à te couvrir de baisers. Oui, s'il y a un bonheur parfait sur terre, il n'est réservé qu'à celui qui sera l'époux de cet ange. Antonia, ta mère n'aura d'autre confesseur que moi. Ma mère vient de s'endormir, apaisée. Ses convulsions ne la tourmentent plus. Oh, mon père, c'est là l'effet de vos nombreuses visites. Je ne vous en aurai jamais assez de reconnaissance. Restons encore un moment ensemble, voulez-vous? J'ai aussi à me préoccuper de vous, mon enfant. Bavardons un peu quelques instants dans votre chambre, pendant que votre mère se repose. Ma chambre? Je ne sais si je peux. Ne suis-je pas votre confesseur? Certes. Eh bien, entrez. Asseyez-vous, mon enfant, là, près de moi. J'admire votre tendresse filiale. Elle prouve la sensibilité de votre excellent caractère. Elle promet un trésor à celui que le ciel destine à obtenir votre affection. Le cœur qui est si susceptible d'attachement pour une mère, que ne sentira-t-il pas pour un amant? Dites-moi, ma charmante fille, savez-vous ce que c'est que d'aimer? Répondez-moi avec sincérité. Oubliez mon habit en ne voyant en moi qu'un ami. Ce que c'est que d'aimer? Oh oui, sans doute, j'ai aimé beaucoup, beaucoup de gens. Ce n'est pas là ce que j'entends. L'amour dont je parle ne peut être éprouvé que pour une seule personne. N'avez-vous jamais vu d'homme que vous auriez désiré pour mari? Non, vraiment. Et n'avez-vous pas grande envie de connaître cet homme, Antonia? Ne sentez-vous point dans votre cœur un vide que vous voudriez remplir? Ne soupirez-vous point de l'absence de quelqu'un qui vous est cher sans pourtant savoir qui c'est? Ne remarquez-vous pas que ce qui vous plaisait autrefois n'a plus de charme pour vous, que des milliers de nouveaux désirs, de nouvelles idées, de sensations nouvelles sont nés dans votre sein et que vous les éprouvez sans pouvoir les décrire? Cet œil humide, cette joue vermeille, cette ravissante mélancolie qui se répand parfois sur vos traits. Tous ces signes démentent vos paroles. Vous aimez, Antonia. En vain, vous voulez me le cacher. Mon père, vous m'étonnez. Quel est cet amour dont vous parlez? Je n'en connais pas la nature, et si je l'éprouvais, pourquoi le cacherais-je? N'avez-vous jamais, Antonia, rencontré un homme qu'il vous semblait avoir longtemps cherché, quoique vous ne l'eussiez jamais vu auparavant? Un étranger dont la figure était familière à vos yeux, dont la voix vous calmait, vous plaisait, vous pénétrait au fond de l'âme, dont la présence était un bonheur et l'absence un chagrin, avec qui votre cœur avait l'air de s'épanouir et dans le sein duquel vous épanchiez les soucis du vôtre? N'avez-vous pas éprouvé tout cela, Antonia? Certainement. Je l'ai éprouvé la première fois que je vous ai vue. Moi, Antonia? Vous avez éprouvé ces sentiments pour moi? Et plus vivement même que vous ne les avez décrits. Du premier instant où je vous ai vue, je me suis sentie si charmée, si intéressée. J'attendais avec tant d'anxiété le son de votre voix, et quand je l'entendis, elle me parut si douce. Elle me parlait un langage jusqu'alors si inconnu. Il me semblait qu'elle me disait une foule de choses que je désirais entendre. Il me semblait que j'avais droit à votre amitié, à vos avis, à votre protection. J'ai pleuré à chacune de vos absences. Antonia, ma charmante Antonia, puis-je en croire mes sens?
Répétez-le-moi, ma chère fille. Redites-moi que vous m'aimez. Que vous m'aimez sincèrement et tendrement. Oui, en vérité. Excepté ma mère, personne au monde ne m'est plus cher que vous. Mais que faites-vous, mon père? Mais laissez-moi, pour l'amour de Dieu. Oh. On vient. Mais cessez, je vous en prie. Oh, ma mère. C'est vous, ma bonne mère. Êtes-vous souffrante? En vérité, mon père, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je vous croyais déjà retourné au monastère. Je m'entretenais de votre santé avec votre fille. J'ai cru bon de lui faire quelques recommandations à votre sujet. Ne la troublez pas inutilement, je vous prie. Antonia est très sensible. Quant à moi, je suis tout à fait rétabli. Et je crois inutile, désormais, que vous perdiez en de nouvelles visites un temps précieux pour l'exercice de votre ministère. Je suis occupé. J'ai besoin d'être seul. Laissez-moi, je vous prie. Pardonnez-moi. Dans votre intérêt même, je ne dois pas vous obéir. Ne craignez aucune plainte. Je ne viens pas vous reprocher votre ingratitude. Pourquoi persister à m'éviter? Pourquoi tant d'anxiété à fuir ma présence? Vous avez des chagrins et vous ne me permettez pas de les partager. Vous avez des contrariétés. Et vous n'acceptez pas mes consolations. Vous avez des désirs, et vous m'empêchez de seconder vos desseins. C'est de cela que je me plains, et non de votre indifférence. J'ai renoncé aux droits de maîtresse, mais rien ne me fera renoncer à ceux d'amis. Seconder mes desseins. Ah, Mathilde. Ce n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est au pouvoir d'aucun autre, Ambrosio. Votre secret n'en est pas un pour moi. J'ai observé d'un œil attentif chacun de vos pas, chacune de vos actions. Vous aimez. Mathilde. Mais pourquoi me le cacher? Ne craignez pas la jalousie mesquine où s'abaisse la plupart des femmes. Mon âme dédaigne un si méprisable travers. Vous aimez, Ambrosio. Antonia d'Alfa est l'objet de votre flamme. Je connais chaque détail de votre passion. Chaque conversation m'a été répétée. Je suis instruite de votre tentative sur la personne de cette jeune fille, de votre déception et de votre renvoi de la maison d'Elvire. Vous désespérez maintenant de posséder votre maîtresse. Mais je viens raviver vos espérances et vous indiquer le chemin du succès. Oh, impossible. À ceux qui osent, rien n'est impossible. Comptez sur moi, et vous pouvez encore être heureux. C'était Le Moine, de Matthew G. Lewis. Deuxième chapitre, avec Daniel Mesguich, Ambrosio. Sylvie Ferraud, Mathilde. Valérie Alain, Antonia. Corinne Juresco, Agnès. Pierre-Olivier, le père Pablos. Les Moines, Jean-Paul Racodon, Nicky Marbeau, Philippe Ciboulet, Alain Rignot. La mère Camille, Christine Arméni. L'abbesse, Françoise Dupré. Elvire, Véronique Silver. Un jeune abbé, Didier Mauberti. Bruitage, Louis Amiel. Prise de son et mixage, Noélie Louis-Marie, Jean-Michel Després. Assistante Brigitte Mazir, adaptation et réalisation Jean-Jacques Vierge. Le Moine, de Matthew G. Lewis. Traduction de Léon de Vailly.
Ambrosio, Daniel Mesguiche. Mathilde, Sylvie Ferraud. Agnès, Corinne Juresco. Antonia, Valérie Alain. Lucifer, Christophe Olreit. Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne. Chapitre 3. La mère abbesse a condamné Agnès et l'enfant qu'elle porte en son sein à la plus cruelle réclusion. Ambrosio a succombé au charme de Mathilde. Mordu par un serpent, il va mourir, mais Mathilde le sauve en aspirant le venin. C'est elle qui est proche de la mort. Usant d'un pouvoir mystérieux, Mathilde renaît et offre à nouveau son corps aux élans passionnés de son amant. Bientôt infidèle, Ambrosio tourne ses regards et ses désirs vers une innocente beauté, Antonia. Mathilde, douloureusement, renonce à ses droits de maîtresse. Vous rappelez-vous cette nuit que j'ai passée dans les caveaux de Sainte-Claire? Oh, c'est alors qu'environnée de corps en dissolution, j'osais accomplir ces rites mystérieux qui appelèrent à mon aide un ange déchu. Qu'est-ce que vous dites, Mathilde? Jugez quelle dut être ma joie quand je découvris que mes terreurs étaient imaginaires. Je vis le démon obéir à mes ordres. Je le vis trembler devant moi. Et je reconnus qu'au lieu de vendre mon âme à un maître, mon courage m'avait acheté un esclave. Téméraire Mathilde, qu'avez-vous fait? Vous vous êtes condamnée à la perdition éternelle. Vous avez troqué contre un pouvoir momentané l'éternel bonheur. Si c'est de la sorcellerie que dépend la satisfaction de mes désirs, je renonce absolument à votre aide. Les conséquences en sont trop horribles. J'adore Antonia, mais je ne suis point assez aveuglé par mes sens pour sacrifier à sa possession mon existence dans ce monde et dans l'autre. Oh, ridicule préjugé! Éveillez-vous de vos rêves frivoles, Ambrosio. Rejetez loin de vous ces terreurs si peu faites pour une âme telle que la vôtre. Laissez-les au commun des hommes et osez être heureux. Accompagnez-moi cette nuit au caveau de Sainte-Claire. Soyez-y témoin de mes enchantements. Et Antonia, Antonia est à vous. Oh, cessez, Mathilde. Je ne vous suivrai pas, et je n'accepterai pas les services de vos agents infernaux. Antonia sera à moi, mais à moi par des moyens humains. Alors elle ne sera jamais à vous. Vous êtes banni de sa présence. Sa mère a ouvert les yeux sur vos desseins, et maintenant elle est en garde contre eux, bien plus. Antonia en aime un autre. Un jeune homme d'un mérite distingué possède son cœur. Oui, et si vous n'intervenez, dans peu de jours, il sera son époux. Je tiens cette nouvelle de mes invisibles serviteurs, auxquels j'ai eu recours dès que j'ai remarqué votre indifférence. Dans tous mes chagrins, dans tous mes regrets de votre froideur, j'ai été préservée du désespoir par la vertu de ce talisman. En prononçant certaines paroles devant ce miroir, on y voit paraître la personne à qui on pense. Ainsi, quoique je fusse exilée de votre vue, vous, Ambrosio, vous étiez toujours présent pour moi. Mathilde, ne vous jouez-vous pas de ma crédulité? Jugez par vos yeux. Prenez, Ambrosio, et voyez. La voici dans sa chambre, votre chère Antonia. Ah, la voyez-vous? Que fait-elle? Elle relève les longues tresses de ses cheveux. Elle dégrafe sa tunique qui tombe à ses pieds. Oui. Et maintenant? Sa chemise. Elle glisse le long de ses seins. Quel voluptueux contour, n'est-il pas vrai? Oh, qu'il serait bon de les caresser, ne trouvez-vous pas? Regardez, elle quitte ses linges intimes. Vénus elle-même. Qui s'apprête à prendre son bain. Ah, oh, voyez comme elle hésite. Oh, l'eau est trop froide. Qui pourrait réchauffer une si frissonnante nudité? Vous, mon père,
Voyez, c'est cet oiseau, son lino apprivoisé qui volait autour d'elle. Où va-t-il se blottir, l'indiscret? Entre ses seins, ses deux seins de lait. Qu'il becquait avec ardeur. Oh, voyez comme elle lui sourit, comme elle aime ce jeu. C'est assez. Reprenez ce miroir. Je n'en puis supporter davantage. Je cède. Faites de moi ce que vous voudrez. Quels sont ces gémissements qui me glacent le sang? Les regrets, les remords, le désespoir de tous les morts dont vous voyez les crânes, les ossements décharnés et blanchis qui forment l'ornement des murs de ce souterrain. Dieu, comme ce chemin est long. Oh, cessez de prononcer ce nom. Votre choix est fait. Il n'est plus temps de l'invoquer et de vous plaindre. Nous arrivons. J'ai tout préparé. Placez-vous au centre de ce cercle que je trace avec cette baguette d'or. Maintenant, faites le silence. Iltaum, Lemak, Sirom, Azopna, Selayor, Kabat, O Kabor. Il vient, il est là, grand Lucifer, donne au père Ambrosio, mon amant luxurieux et inconstant, traître à ses promesses, le moyen de conquérir la nouvelle élue de son cœur, la belle, tendre et innocente Antonia. Je déteste cet homme qui n'a cessé de servir Dieu. Il ne mérite pas mon aide. Regarde-le, ce renégat qui a accepté de devenir ta créature. N'est-il pas pour toi une proie désirable? Non. Toi seul est ma créature. Lui, je l'abandonne à son destin. Je crache sur sa face immonde. Tremble de me désobéir! Si tu refuses, j'attirerai sur toi toute la cohorte des esprits infernaux. Je te rendrai au ciel. Tu redeviendras un ange de Dieu. Non, par pitié, ne me prive pas des flammes de l'enfer. Acceptes-tu de céder ton pouvoir? Acceptes-tu de tendre à ce grand pécheur ton myrte magique et d'en faire ton esclave? Réponds! Tu m'as vaincu. J'accepte. Mais toi, tu ne devras plus jamais intercéder en sa faveur. S'il veut baiser et rebaiser sa pucelle, il devra lui-même invoquer les démons. Pacte conclu, mon bel Éphèbe. Ambrosio t'a entendu. Il obéira. Ramassez ce myrte étincelant, Ambrosio. Tant que vous l'aurez en main, toutes les portes s'ouvriront devant vous. Il vous donnera accès la nuit prochaine à la chambre d'Antonia. Alors, soufflez 3 fois sur le myrte. Appelez-la par son nom
et placez-le sous son oreiller. À l'instant, un sommeil de mort s'emparera d'elle et lui ôtera le pouvoir de vous résister. Ce sommeil la tiendra jusqu'au point du jour. En cet état, vous pouvez satisfaire vos désirs sans risquer d'être découvert, puisqu'au moment où le jour dissipera les effets de l'enchantement, Antonia s'apercevra de la perte de son honneur, mais sans savoir qui le lui a ravi. Soyez donc heureux, mon Ambrosio, et que ce service vous prouve le désintéressement et la pureté de mon amitié. La nuit doit être près d'expirer. Retournons au couvent, de peur que notre absence n'excite la surprise. Sa chambre. Oh, je tremble d'impatience. Antonia. Quelle douceur dans ton sourire. Quelle innocence dans ta nudité que caresse ce rayon de lune. Tes lèvres de corail ne pourront refuser ce baiser. Bonté divine, ne me trompais-je point? Est-ce une illusion? Ce n'est point un rêve. C'est réellement Ambrosio qui est devant moi. L'homme que Madrid estime comme un saint, c'est lui que je trouve à cette heure près du lit de ma malheureuse enfant. Monstre d'hypocrisie. Je soupçonnais déjà vos desseins, mais je différais l'accusation par pitié de la fragilité humaine. Maintenant, le silence serait criminel. Toute la ville sera instruite de votre forfait. Je vous démasquerai, misérable, et j'apprendrai à l'église quelle vipère elle réchauffe dans son sein. Antonia, Antonia, réveille-toi, mon enfant. Ce sommeil n'est pas naturel. Il y a là-dessous quelque mystère. Mais tremblez, hypocrite. Votre scélératesse sera bientôt démasquée. Flora, Flora, au secours. N'essayez pas de fuir. Vous ne quitterez pas cette chambre sans que votre crime ait eu ma femme de chambre et mes domestiques pour témoins. Taisez-vous. Taisez-vous. Ah. Allez-vous vous taire. Ainsi le crime est accompli. Pour moi, la honte est bientôt le châtiment. Il faut fuir pourtant. Fuir, car le temps n'est pas encore venu. Cessez donc, Ambrosio, de remuer ses noires pensées. Tout est en ordre à présent. Elvire est sous terre, sa mort ayant eu aux yeux de tous une cause naturelle, les convulsions. Vous n'êtes accusé de rien. Et quant au trouble de votre conscience, il diminuera avec le temps. C'est aujourd'hui même qu'il faut nous mettre à l'œuvre, car nous n'avons pas de temps à perdre. Le neveu du duc de Medinaceli, Don Lorenzo, se dispose à demander Antonia en mariage.
Dans peu de jours, elle sera conduite au palais de son parent, le marquis de la Cisternace. Et là, elle sera à l'abri de vos tentatives. C'est ce que je viens d'apprendre par mes espions, sans cesse occupés à m'apporter les renseignements qui peuvent vous être utiles. Maintenant, écoutez ceci. Il existe une liqueur extraite de certaines herbes que peu de gens connaissent, laquelle donne à qui la boit l'exacte apparence de la mort. Il faut en faire prendre à Antonia. Vous trouverez facilement le moyen d'en verser quelques gouttes dans la médecine. L'effet sera de la jeter pour une heure dans de violentes convulsions. Après quoi son sang peu à peu cessera de circuler et son cœur de battre. Une pâleur mortelle couvrira ses traits et, à tous les yeux, elle ne sera plus qu'un cadavre. 48 heures après qu'elle aura bu, la vie renaîtra dans son sein. Alors, elle sera absolument en votre pouvoir. Oh, Mathilde, comment vous exprimer ma reconnaissance ? En profitant de mes conseils, Ambrosio. Je ne vis que pour vous servir. Votre intérêt et votre bonheur sont les miens. Que votre personne soit à Antonia, mais votre amitié, votre cœur, je réclame mes droits sur eux. Mes seuls plaisirs maintenant sont de contribuer aux vôtres. Elle s'affaiblit d'instant en instant. L'issue est proche. Je meurs sans répugnance. Mais nous nous retrouverons, Ambrosio. Un jour, nous nous retrouverons dans le ciel. Et là, notre amitié recommencera. Et ma mère la verra avec plaisir. Oui. Quand je serai morte, qu'on fasse savoir au marquis de la Cisternace que la malheureuse famille de son frère ne l'importunera pas plus longtemps. Dites-lui seulement, mon père, que je suis morte et que s'il a quelque tort envers moi, je les lui pardonne du fond du cœur. Après cela, je n'ai plus à vous demander que vos prières. Promettez-moi de ne pas oublier mes recommandations. Et je quitterai la vie sans chagrin ni regret. Le cœur ne bat presque plus. Ses doigts sont raidis et froids. Antonia se meurt, mes amis. Te voici, ma belle endormie, froide encore, inerte, souriante cependant à la vie qui déjà semble frissonner sur tes joues pâles. C'est pour toi, fatale beauté, c'est pour toi que j'ai commis ce meurtre sur ta mère et que je me suis vendu aux tortures éternelles. Maintenant, tu es en mon pouvoir. J'aurai du moins le bénéfice de mon crime. Viens, que je te serre enfin dans mes bras. Vois,
J'ai préparé pour toi ce lit de feuilles sèches et allumé la mèche de ma lampe. Je vais pouvoir te réchauffer contre mon corps et assister à ta renaissance. Tu rêves encore, mais tes yeux vont bientôt s'ouvrir. Je sens ta douce chaleur et la lente musique de ton cœur. Ton souffle déjà se mêle au mien. Éveille-toi sous ce baiser. Où suis-je? Oh, comment suis-je venue ici? Où est ma mère? Je croyais l'avoir vue. Oh, rêve. Oh, rêve affreux m'a dit. Mais où suis-je? Laissez-moi partir. Je ne puis rester en ce lieu de ténèbres. Calmez-vous, charmante Antonia. Aucun danger ne vous menace. Fiez-vous à ma protection. Pourquoi me regardez-vous si fixement? Ne me reconnaissez-vous pas? Ne reconnaissez-vous pas votre ami, Ambrosio? Ambrosio? Mon ami? Ah oui. Bon Ambrosio, emmenez-moi. Oh, ne voulez-vous pas? Ne me regardez pas ainsi. Vos yeux flamboyants m'épouvantent. Ce sépulcre me semble le temple de l'amour. Cette obscurité n'est que la nuit propice, que le mystère étend sur nos plaisirs. Oui, adorable fille, oui, vos veines brûleront du feu qui circule dans les miennes, et vous doublerez mes transports en les partageant. Non, oh, laissez-moi, mon père. La résistance est inutile, et je ne veux pas vous déguiser plus longtemps ma passion. On vous croit morte. Le monde est à jamais perdu pour vous. Vous êtes entièrement en mon pouvoir. Les désirs qui me brûlent, il faut que je les satisfasse. Mais je voudrais ne devoir mon bonheur qu'à vous, ma charmante fille, mon adorable Antonia. Laissez-moi vous enseigner les jouissances que vous ignorez encore. Vous apprendre à sentir dans mes bras les plaisirs que je vais goûter dans les vôtres. Laissez-moi, ne me touchez pas par pitié. Non. Cette lutte est puérile. Vous n'avez aucun secours à espérer. Ni le ciel ni la terre ne peuvent vous soustraire à mes embrassements. Non. D'ailleurs, pourquoi rejeter des plaisirs si doux, si enivrants? Personne ne nous voit. Chacun de vos traits, de vos regards, de vos mouvements annonce que vous êtes formé pour donner et recevoir le bonheur. Puis-je abandonner ces membres si blancs, si doux, si délicats, ces seins si ronds, si pleins? Ces lèvres imprégnées d'une suavité inépuisable. Puis-je abandonner ces trésors et les laisser ravir par un autre? Non, jamais, jamais, j'en jure, par ce baiser. Oh, non. Oh, non. Par celui-ci. Oh, non, non, oh. Non, non, oh. Oh, laissez-moi. Oh. Cruauté n'est-elle pas satisfaite? Ou ai-je encore plus à souffrir? Laissez-moi partir. Laissez-moi retourner chez moi et pleurer en liberté ma honte et ma misère. Qui m'a entraîné à des crimes dont le seul souvenir me fait frissonner? Fatale enchanteresse, n'est-ce pas ta beauté? N'as-tu pas fait plonger mon âme dans l'infamie? N'as-tu pas fait de moi un parjure, un ravisseur, un assassin?
Et en ce moment même, ce regard d'ange ne me défend-il pas de croire à la clémence de Dieu? Oh, quand je serai devant son tribunal, ce regard suffira pour me damner. Alors ma perdition sera certaine. Alors viendra l'ombre de votre mère pour me précipiter dans le séjour des démons, des flammes, des furies et des tourments sans fin. Et c'est vous qui m'accuserez. C'est vous qui serez cause de mon éternelle agonie. Vous, malheureuse fille, vous... Grâce, mon père, grâce. Je me tairai. Je cacherai au monde les outrages que vous m'avez fait subir. S'il le faut, je quitterai Madrid et vous n'entendrez plus jamais parler de la pauvre Antonia. Impossible. Monsieur, vous êtes mon sauveur. Ambrosio, le couvent de Sainte-Claire est en feu. Les crimes de la mère abbesse ont été révélés par la sœur Sainte-Ursule. Agnès, que l'abbesse a fait passer pour morte et peut-être encore enfermée au fond d'un de ses caveaux, s'y rencontre elle le cadavre putréfié de son enfant, dont Raymond, son fiancé, accablé de douleur, espère encore la retrouver en vie, dont Lorenzo, son frère, mène les recherches. L'abbesse est tombée victime de la fureur de la populace. Elle n'est plus qu'un cadavre baignant dans son sang. Le couvent brûle. Le monastère est menacé d'un destin semblable. À l'armée des cris du peuple, les moines vous cherchent de tous côtés. J'ai profité de la confusion et j'accours pour avertir du danger. Que faut-il faire? Nous sommes perdus si on ne trouve pas un moyen de repousser les meutes. Je retourne à ma cellule. Impossible! Le souterrain est rempli d'archers. Lorenzo de Medina et plusieurs officiers de l'Inquisition parcourent le caveau et occupent chaque passage. Vous serez arrêtés dans votre fuite. On vous demandera quel motif vous avez d'être si tard dans le souterrain. On trouvera Antonia et vous êtes à jamais perdus. Des officiers de l'Inquisition? Les inquisiteurs fouillent ces souterrains? Suis-je donc suspecté? Oh, parlez, Mathilde! Une femme! Ils ne pensent pas encore à vous, mais je crains qu'ils n'y pensent avant peu. Votre seule chance de leur échapper réside dans la difficulté d'explorer ce caveau. La porte est artistiquement dissimulée, et il est possible qu'ils ne la voient pas et que nous puissions rester cachés jusqu'à ce que les perquisitions soient finies. À l'aide! À l'aide! Délivrez-moi de ces démons! Mais si les inquisiteurs approchent et qu'on entende ces cris? Oh, voici le moyen d'éviter ce danger! Arrêtez! Arrêtez, Mathilde! Lâchez ce poignard! Que voulez-vous faire, cruelle? Elle s'enfuit! Rattrapez-la, vite! Au secours! Au secours à moi! Pour l'amour de Dieu! Oh, démon! Tu seras damné! Un homme s'est enfui là-bas! Poursuivez-le! Raymond, ta torche! Il y a quelqu'un là, à terre! Dieu tout-puissant, c'est Antonia. Vivante, vous êtes vivante. Je me meurs, Lorenzo. C'est Ambrosio, le démon, qui m'a blessée, souillée, déshonorée. Ma mort est un bonheur. Je n'aurais pu vous épouser. Cher Antonia, vivez, vivez, je vous sauverai. Que Dieu me vienne en aide. Prenez courage, mon amour. Ne vous abandonnez pas à une douleur inutile. J'ai tout perdu. Ma mère, mon honneur. Vous êtes le seul au monde que je suis affligée de quitter. Prenez ma main, Lorenzo. Nous nous retrouverons un jour au ciel. Oh! Saisissez-vous de ce misérable! Ses mains sont encore tachées du sang de sa victime. Ciel! Je n'en crois pas mes yeux. Vous, l'immaculé Ambrosio, l'homme de Dieu, l'idole de Madrid, vous, un assassin! Que fait-on du jeune homme? Garrottez-le lui aussi! Mais, monseigneur, c'est une femme! Elle non plus! N'échappera pas au jugement! Père Ambrosio, nous, inquisiteur général, nous, juges, révérendissimes représentants du Saint-Office,
vous condamnons à subir la question du second et du troisième degré. Mathilde de Villanegas, hérétique, apostate, sacrilège et injurieuse à Dieu. Nous vous accusons de commerce avec les esprits infernaux. En conséquence, nous vous condamnons à la torture et au bûcher pour crime de sorcellerie. Lorenzo, mon cher frère, et vous, Raymond, mon bien-aimé, qui m'avez tiré du gouffre de la mort, aidez votre fragile Agnès à franchir avec énergie cette frontière soudaine entre l'infortune et le bonheur. Hier, captive, chargée de chaînes, périssant de faim, aujourd'hui rendue à la vie et à la liberté, jouissant de toutes les douceurs, de l'abondance et du repos, entourée de ce que j'aime le plus, et sur le point de devenir l'épouse de celui à qui mon cœur est uni depuis longtemps. Ma félicité est si excessive, si complète, que c'est à peine si mon cerveau en peut porter le poids. Raymond, c'est ma tendresse pour vous qui m'a trahi. J'ai eu trop de confiance dans ma force. Mais je ne comptais pas moins sur votre honneur que sur le mien. Vous n'aurez pas lieu, Raymond, de vous repentir de notre union. Et plus les erreurs de votre maîtresse ont été coupables, plus la conduite de votre femme sera exemplaire. Mon amour. Tout autre pécheur pourrait espérer le salut, mais pas moi. Mes crimes sont trop monstrueux. Mes membres disloqués, mes ongles arrachés, mes doigts brisés par la pression des étaux ne sont rien comparés à l'agitation et à la douleur de mon âme. Ma mort est inévitable, la mort la plus affreuse. Pourtant la mort n'est rien auprès de la vengeance du ciel. Dieu existe, hélas, et sa bonté n'est pas infinie. Point de grâce, de pardon, il n'y en a pas pour moi. Oh, la nuit est affreuse pour les coupables. Mais quelle lumière aveuglante soudain! Que me veut-on? Qui est là? Regarde, Ambrosio. Regarde-moi. Vous, Mathilde? Où sont vos chaînes? Comment êtes-vous ici? Que signifie cette robe étincelante? Ces diamants, cette magnificence et l'allégresse qui brille dans vos yeux, comment avez-vous pu échapper au bûcher? J'ai trompé la fureur de l'Inquisition. Je suis libre, mais j'achète ma liberté à un prix coûteux. Ce prix, osez-vous le payer, Ambrosio? Oserez-vous franchir sans crainte les limites qui séparent l'homme de l'ange? Oui, j'ai tout sacrifié pour la vie et la liberté. Je n'aspire plus au ciel. J'ai renoncé au service de Dieu. Je suis enroulée sous la bannière de ses ennemis. Je pars. Impatiente d'exercer ma puissance nouvellement acquise, je brûle d'être en liberté. Rien ne me retiendrait un moment de plus dans ce séjour abhorré.
n'est-elle espoir de vous décider à suivre mon exemple ? Ambrosio, je voudrais tant vous préserver de la mort qui vous menace. Renoncez donc pour des avantages immédiats et certains à l'attente d'un salut chimérique. Secouez les préjugés propres aux âmes vulgaires. Abandonnez un Dieu qui vous abandonne et élevez-vous au niveau des êtres supérieurs. Mathilde, de quel prix avez-vous payé votre liberté ? Mon âme, Ambrosio. Malheureuse, qu'avez-vous fait ? Combien vos souffrances seront épouvantables ? Homme faible, combien épouvantables seront les vôtres ? Insensé, ouvrez les yeux, Ambrosio. L'enfer est notre lot. Vous êtes condamné à la perdition éternelle. Il n'y a pour vous, au-delà du tombeau, qu'un gouffre de flammes dévorantes. Voulez-vous courir vers cet enfer ? Voulez-vous vous plonger dans ces flammes quand vous avez encore le pouvoir de les éviter ? C'est l'action d'un fou. Non. Non, Ambrosio. Croyez-moi. Achetez d'un moment de courage, des années de bonheur. Mathilde, vous commandez aux démons infernaux. Vous pouvez forcer les portes de cette prison. Vous pouvez me délivrer des chaînes qui m'accablent. Sauvez-moi. Je vous en conjure. Et emmenez-moi loin de ce redoutable séjour. Vous demandez la seule faveur qu'il ne soit pas en ma puissance d'accorder. Il m'est interdit de secourir un homme d'église et serviteur de Dieu. Renoncez à ces titres. Et disposez de moi. Je ne vendrai pas mon âme à la perdition. Je vous quitte. Cependant, avant que l'heure de votre mort n'arrive, et dans le cas où la sagesse vous éclairerait, écoutez les moyens de réparer votre erreur présente. Je vous laisse ce livre. Lisez à rebours les 4 premières lignes de la 7e page. L'esprit que vous avez déjà vu apparaîtra à l'instant. Si vous êtes sensé, nous nous reverrons. Sinon, adieu pour toujours. Cerise Z, ses carreaux sur ses veines. Pourquoi me mande-t-on ici ? Je suis condamné à mort. Sauvez-moi. Emportez-moi hors de cette prison. Le prix de mes services me sera-t-il payé ? Oses-tu embrasser ma cause ? Seras-tu à moi corps et âme ? Es-tu prêt à renier celui qui t'a fait ? Et celui qui est mort pour toi ? Réponds seulement, oui. Et Lucifer est ton esclave. Rien ne peut-il vous satisfaire que ma perte éternelle ? Esprit, vous me demandez trop. Cependant, retirez-moi de ce cachot. Soyez mon serviteur pendant une heure, et je serai le vôtre pendant 1000 ans. Cette offre ne vous suffit-elle pas ? Non. Il faut que j'aie ton âme. Que je l'aie à moi. À moi, pour toujours. Insatiable démon, je ne veux pas me condamner à des tourments sans fin. Mes crimes sont monstrueux, mais je ne veux pas désespérer du pardon. Signe ce parchemin. Je t'emporterai d'ici, et tu pourras passer le reste de tes années dans le bonheur et la liberté. Signe avec ton sang. Vois, je pique ta veine. Avec cette plume de fer, quel beau rubis que ton sang.
Minuit. Dans la cour, là-bas. On prépare ton bûcher. Signe. Signe ce parchemin. Cette langue m'est inconnue. Quel est le sens de cet écrit ? Il me donne ton âme pour toujours, sans réserve. Non ! Laissez-moi ! Va-t'en, démon ! Cela m'est impossible. Tu entends ? Ils viennent se saisir de toi. Fais vite ! Signe ! Et je t'emporte à l'instant d'ici. Sauvez-moi par pitié. Renonces-tu librement et absolument à ton Créateur et à son Fils ? Oui. Me cèdes-tu ton âme pour toujours ? Pour toujours. Sans réserve. Sans appel futur au divin pardon. Irrévocablement, j'abandonne tous mes droits au salut. Je ne reconnais de pouvoir que le vôtre. Signe. Viens, viens, je t'emporte. Pourquoi me déposer dans ce triste lieu, entouré de ces sombres rochers ? Partons d'ici, démon. Menez-moi vers Mathilde. Malheureux. Tu seras bientôt avec elle. Tu mérites bien d'être près d'elle, car l'enfer ne compte pas de mécréants plus coupables que toi. Écoute, Ambrosio. Je vais te révéler tes crimes. J'ai versé le sang de deux innocentes. Antonia et Elvire ont péri par tes mains. C'est Antonia que tu as violée. C'est ta sœur. Non. C'est Elvire que tu as assassinée, t'a donné la naissance. Non. Non. Tremble, infâme hypocrite, parricide inhumain, ravisseur incestueux. Tremble de l'étendue de tes offenses. Toi, qui te croyais à l'épreuve de la tentation, dégagé des faiblesses humaines et exempt d'erreurs et de vices, l'orgueil est-il donc une vertu ? Sache, homme vain, que je t'ai depuis longtemps marqué comme ma proie. C'est moi qui ai mis Mathilde sur ton chemin. Elle est ma créature. Je l'ai envoyée sur terre pour me gagner ton âme. Elle m'a servi en tout, à travers elle. C'est moi qui t'ai procuré l'accès à la chambre d'Antonia. C'est moi qui t'ai fait donner le poignard qui a percé le sein de ta sœur. Et c'est moi qui, dans un songe, ai averti Elvire de tes desseins. Et par là, t'empêchant de profiter du sommeil de sa fille, t'ai forcé d'ajouter le viol ainsi que l'inceste à la liste de tes crimes. Écoute, écoute, Ambrosio. Si tu avais résisté une minute de plus, tu sauvais ton corps et ton âme. Les gardes que tu as entendus à la porte de la prison venaient te signifier ta grâce. Mais j'avais déjà triomphé. Mon plan avait déjà réussi. Tu es à moi, sans retour. Je brûle de jouir de mes droits. Et tu ne quitteras pas vivant ces montagnes. Monstre, que voulez-vous dire ? Avez-vous oublié notre marché ? N'en ai-je pas rempli ma part ? Qu'ai-je fait de plus que de te tirer de prison ? Ne l'ai-je pas fait ? N'es-tu pas à l'abri de l'Inquisition, à l'abri de tous ? Excepté de moi. Insensé que tu fus de te confier au diable. Pourquoi n'as-tu pas stipulé de te conserver la vie et la puissance et le plaisir ?
Tu aurais tout obtenu. Maintenant, le contrat est signé. C'est trop tard. Prépare-toi à la mort. Tu n'as pas beaucoup d'heures à vivre. Seigneur, Seigneur, ôtez ma misère, ôtez mes péchés qui sont ma suprême misère. Lavez-moi de mon iniquité, lavez-moi de l'eau de mes larmes. Ne m'abandonnez pas à jamais. Oses-tu encore implorer la miséricorde de l'Éternel ? Seigneur, tu es ma proie, tu es à moi, à moi, pour toujours. Éprouve donc l'acuité de mes griffes. Voilà ! Et franchis, sans retour, les portes de l'enfer ! Mathilde ! Destin, Ambrosio. Ton triste destin, je le connais. Ce fut le mien. Je sais ce que Lucifer te réserve. Avant que les flammes ne dévorent ton corps, tu devras souffrir 1000 autres morts. Broyé, déchiqueté par la pointe aiguë d'un roc, brûlé par l'ardeur de 1000 soleils, dévoré par une myriade d'insectes, les yeux arrachés par le bec d'un aigle vorace, aveuglé, mutilé, perdant ton sang goutte à goutte, ton cadavre déjà pourrissant sera emporté par les eaux grondantes du Styx jusqu'au plus profond de l'enfer. Dans ce lieu d'éternelles ténèbres, ton âme, elle, comme la mienne désormais, continuera d'errer dans une solitude infinie. Avant que tu ne disparaisses, souviens-toi de moi une minute encore. Envoyé près de toi par les esprits infernaux, j'ai contribué à ta damnation. Femme, je t'ai séduit et fait découvrir le plaisir. Trahi par toi, j'ai favorisé tes desseins sur une autre. En vérité, je t'ai toujours été fidèle. Sans espoir de te rejoindre jamais, écoute encore une fois mon cœur. Adieu, mon Ambrosio. Je t'aimais. C'était « Le moine » de Matthew G. Lewis, troisième et dernier chapitre, avec Daniel Mesguich, Ambrosio, Sylvie Ferraud, Mathilde, Valérie Alain, Antonia, Corinne Juresco, Agnès, Christophe Allwright, Lucifer, Bernard Brieux, Lorenzo, Véronique Silver, Elvire, Pierre Olivier, le père Pablos, Jacques Berthier, le grand inquisiteur. Bruitage, Louis Amiel. Prise de son et mixage, Noélie Louis-Marie, Jean-Michel Després. Assistante, Brigitte Mazire. Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne.